Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui me suivent aux quatre coins du monde. Je salue tous ceux qui prient pour nous partout où vous êtes. Que je suis vous bénisse. Que je suis bénisse toute personne qui se rappelle de prier pour l'équipe Kangoka. Que je suis te bénisse car tu fais une œuvre très importante. Vous pouvez penser que c'est une simple chose parce que j'en parle chaque lundi. Mais pour nous, c'est quelque chose qui a de la valeur. Savoir qu'il y a des gens qui prient pour nous, qui vont dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus et qui mentionne l'équipe Kangoka dans leur prière, nous rendons grâce à Dieu pour vous. N'oubliez pas de prier pour les partenaires de Kangoka, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent dans cette œuvre afin qu'elle puisse avancer. Priez aussi pour moi afin que je puisse avoir des paroles qui viennent de Dieu, que je ne dise pas ce qui vient de moi. Ce n'est pas facile d'avoir une parole à donner tous les jours, une nouvelle parole chaque jour. Ce n'est pas du tout facile, c'est juste la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin de vos prières. Que toute la gloire revienne à Josué. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'émission, je rappelle que le nom de Josué est le nom de Dieu comme nous le lisons dans Exode 3:14. Chaque lundi, je commence toujours l'émission en vous parlant de la devise de Kangoka. Il s'agit de trois points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler sur le deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Prier tous les jours, ce n'est pas du tout facile. Si je te demande de prier aujourd'hui, tu peux le faire. Mais ça dépend de ce que tu vis et comment tu te sens maintenant. Lorsqu'on se sent bien et qu'on n'a aucun problème, ce n'est pas vraiment facile. Lorsque tu as des problèmes, tu peux prier parce que tu veux que Dieu résolve ton problème. Mais lorsque tu as des problèmes qui ne se trouvent pas de solution, c'est-à-dire tu as prié mais rien n'a changé, souvent tu es découragé et tu n'as plus envie de prier. Aujourd'hui, je veux encourager toutes les personnes qui ont prié, qui ont jeûné à cause d'un problème mais qui n'ont vu aucun changement. Tu peux prier et tu as l'impression que rien ne change. Tu n'as même pas de songe, rien ne prouve que Dieu t'entend. J'aimerais te dire que si tu pries en esprit et en vérité, ça veut dire que tu es en train de prier une prière inspirée par le Saint-Esprit dans la vérité. Dans le nom de Jésus, sache que ta prière est entendue. Si bien sûr tu ne te lamentes pas, si tu t'adresses à Dieu en lui parlant de sa grandeur, de la foi que tu as en lui, ne sois plus découragé. J'aimerais te demander de continuer la prière. Persévère, ne cesse pas de prier. Il y a de l'espoir dans la prière. Je veux que vous tous, vous compreniez que dans la prière, il y a l'espoir. Le verset que je veux qu'on lise aujourd'hui pour vous encourager, c'est un verset qui se trouve dans Romains 12, verset 12. Ce verset dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. » Ici, la parole s'adresse à ceux qui vivent une situation difficile, ceux qui sont dans l'affliction. Tu as des problèmes, mais cette parole te demande de te réjouir pour les bonnes choses qui vont venir après. Le verset continue en disant, persévérer dans la prière. Pourquoi persévérer dans la prière? Tu persévères parce que tu sais que tu parles à un Dieu qui t'entend. Il n'y a rien de plus décourageant que de savoir qu'on parle à un Dieu qui n'entend pas. Parfois, lorsque tu te réveilles le matin, tu peux avoir cette impression que rien ne se passe. Il y a des gens qui sont habitués à sentir quelque chose changer dans leur corps. Ils ressentent des manifestations ou bien ils ont des visions. Mais lorsque cela n'arrive pas, pas de manifestation, pas de vision, ils commencent à se dire que Dieu ne les entend pas. J'aimerais te rappeler que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et nous avons la foi que la réponse est là, même lorsqu'on ne voit rien. Si tu pries dans le nom de Jésus, tu peux avoir la certitude que le Dieu qui est au ciel t'entend. Dans Romains chapitre 12, verset 12, nous venons de voir qu'il y a de l'espoir dans la prière. Dans tes problèmes, ne désespère pas. Ne perds pas espoir, mais détache tes yeux de tes problèmes. Dis-toi que le Dieu du ciel te voit. Il connaît ce pourquoi tu pries. Si cela est conforme à sa volonté, je t'assure à 100% que tu le verras. Ne te décourage plus. Si tu perds espoir, tu ne pourras plus prier. Si aujourd'hui tu pries encore, ça veut dire que tu as encore de l'espoir. Tous ceux qui continuent de prier, ça veut dire qu'en eux, il y a encore de l'espoir. Tu crois encore que quelque chose peut se passer. Celui qui n'a plus d'espoir, il cesse de prier. Il est incapable de dire un seul mot. Lorsque tu vas quelque part et que tu trouves la porte fermée, tu frappes à la porte et tu continues de frapper si tu sais qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir. De la même façon, ne te décourage pas. Continue de prier. L'heure de Dieu venue, tu verras sa puissante main.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude de la lettre de Paul aux Corinthiens. J'espère que vous avez lu le 8e chapitre dans 2 Corinthiens. Dans tout le chapitre 8, Paul parle du soutien à l'œuvre de Dieu. Il en parle d'une façon différente de ce que nous entendons d'habitude. Souvent, on enseigne aux gens de donner, on le dit surtout à ceux qui ont les moyens. Il y a des gens qui pensent que pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut avoir beaucoup de moyens ou beaucoup d'argent. Je vais vous montrer dans ce chapitre 8 que Paul nous montre des gens qui ont donné alors qu'ils étaient pauvres. Ils ont donné malgré leur pauvreté. Il commence en disant « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Voyez la situation de ces églises, il le dit au verset 2. Il dit « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Qu'est-ce qui les a poussés à donner? La persécution et la pauvreté. Il est difficile de comprendre que la pauvreté peut pousser quelqu'un à donner. Cependant, même dans leur pauvreté, ils ont donné. Beaucoup de gens pensent qu'on donne parce qu'on a les moyens, mais quand on a un cœur qui veut donner, ça ne demande pas d'avoir beaucoup de moyens. Je le dis souvent, lorsque tu entendras quelqu'un dire que quand Dieu le bénira, il soutiendra l'œuvre de Dieu, il aidera les pauvres ou les veuves ou les orphelins, sache bien que si la personne dit cela, elle n'a pas le cœur de donner. Je veux mieux expliquer cela. Lorsqu'on a un cœur qui veut donner, on n'attend pas d'avoir beaucoup d'argent, car beaucoup parmi ceux qui le disent, ils ont certainement quelque chose. Dans ce peu qu'ils ont, ils considèrent que ça leur appartient. Pour pouvoir donner aux autres, ils exigent d'avoir beaucoup. Souvent, même quand ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas ce cœur qui donne. J'aimerais vous dire qu'on remarque quelqu'un qui a un cœur de donner dans le peu qu'il possède. Quelqu'un qui est généreux, on le voit dans le peu de moyens qu'il possède. Quand tu verras quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui donne, ça ne veut pas dire qu'il donne parce qu'il a beaucoup d'argent. Il donne parce qu'il a un cœur de donner. Quelqu'un qui a son cœur de donner, même quand il n'était pas encore riche, il partageait ce qu'il avait avec les autres. Si tu ne peux pas partager avec les autres dans le peu que tu possèdes, sache que même quand tu auras beaucoup d'argent, il sera difficile pour toi de partager avec les autres. Ce sont ces gens qui ne veulent même pas qu'on leur parle de donner aux autres, de soutenir les pauvres. Ils ne veulent pas entendre cela car ça dérange leur conscience. On peut donner même dans la pauvreté. Ça, c'est important de le savoir. Au verset 3, Paul dit, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Ceci me rappelle une histoire qui se trouve dans Luc chapitre 21 verset 1 à 4. C'est un exemple que Jésus a donné. Il est allé dans le temple, il a vu beaucoup de gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Puis est venue une femme veuve et elle a mis 2 petites pièces. Au verset 3, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. » Il faut comprendre que Dieu ne se soucie pas du montant que tu donnes. Dieu se souci de la valeur de la chose que tu donnes. Si cela a de la valeur pour toi, alors ça a de la valeur pour Dieu. Dieu veut voir sa place dans ta vie. L'importance que tu donnes à Dieu se manifeste dans ce que tu donnes. Si tu ne peux pas donner une petite chose pour la gloire de Dieu, cela montre que tu accordes beaucoup d'importance sur ta propre personne plutôt qu'à Dieu. Tu ne donnes pas beaucoup d'importance à l'œuvre de Dieu, aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Il faut comprendre que ce qui a de la valeur pour toi a aussi de la valeur pour Dieu. Au verset 3, dans 2 Corinthiens chapitre 8, Paul dit, « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Au verset 4, il ajoute, « Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Ici, il parle des pauvres qui insistaient. Ils insistaient auprès des apôtres, c'est-à-dire Paul et les autres, pour pouvoir faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Ici, je peux comprendre, même si ce n'est pas écrit, je peux comprendre que Paul et ceux qui étaient avec lui avaient refusé de recevoir leurs dons parce qu'ils considéraient qu'ils étaient pauvres. Mais même s'ils étaient pauvres, ils ont insisté afin qu'ils puissent faire quelque chose. Ils voulaient absolument donner quelque chose. Si je suis le veut, tant qu'en cas de domaine, je vais continuer à en parler. Je vous souhaite tous une excellente journée. Que je suis vous bénisse.